Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10. Ministère de Dieu par notre vie entière. Frères, nous travaillons avec lui. Nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. » Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Mais au contraire, nous nous présentons comme de vrais ministres de Dieu par notre vie entière. Toute notre persévérance, les détresses, les difficultés et les angoisses, les coups de bâton, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits sans dormir et les journées sans manger, la chasteté, la connaissance de Dieu, la patience, la bonté, la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour, la loyauté de la parole, la puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes des justes pour attaquer et pour nous défendre dans la gloire et le mépris, dans la bonne et la mauvaise réputation. On nous traite de menteurs. Et nous disons la vérité, des gens obscurs, et nous sommes très connus. On nous croit mourants, et nous sommes bien vivants. On nous punit, mais sans nous faire mourir. On nous croit tristes, et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons tant de riches, démunis de tout, et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Psaumes. Psaume 97. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Louange à toi, Seigneur Jésus. »